On va regarder un petit peu comment faire de la fourrure. Alors, donc je reprends le besmèche d'Elena en niveau de subdivision. Et là, je vais faire un delete ailleurs parce que j'ai pas besoin de plus à ce niveau-là. Et donc, la première chose qu'on va faire, s'il vous plaît, si vous n'écoutez pas, laissez les autres écouter, s'il vous plaît. Donc, on va faire le flow avec la brush standard. On va faire le flow de la fourrure en essayant de faire quelque chose d'assez assez organique. Bon, je ne vais pas faire toute la zone non plus, mais alors, avec du dame standard, je vais creuser les flots. À certains endroits. Pour qu'on sente bien les différentes masses de poils qui rentrent, les unes dans les autres. Donc du standard pour faire les flots. Et donc là, on fait attention à la longueur du poil. Donc c'est-à-dire que si on a quelque chose avec des poils d'une certaine longueur, on ne va pas commencer à en faire des longs d'un côté, des courts de l'autre. Là, on essaie de rester chaotique au niveau de l'assemblage, on va dire, des poils, mais au niveau de leur taille, on reste cohérent, sinon ben, ça va poser des problèmes. Alors pourquoi est-ce que je continue un peu? Ben c'est pour arriver sur le côté et ici à l'intérieur pour voir un petit peu comment on peut intégrer ça et positionner ça par rapport aux autres objets. D'accord? Donc dame standard, encore une fois, pour choisir. Le fait que certains flots de poils vont passer sous certains autres flots de poils. Alors, je vais subdiviser une fois. Et là, je vois que j'ai quand même pas mal de distorsions. Donc, je vais calculer un beau gros dynamèche. Je vais essayer ici 1000. Bon, 1000, c'est pas assez, parce que je trouve que ça a ressoudé trop de trucs ici. Donc, je vais essayer 1500. Bah, 1500, c'est bon. Et une fois que le dynamèche 1500 est fait, je vais utiliser
encore un peu d'âme standard pour marquer certains flots. Okay, donc on vient restructurer OK. OK, et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un clé polish. Clé polish, en fait, ça va tendre vos surfaces. Et vous pouvez en faire plusieurs jusqu'à ce que vous soyez content du résultat pour avoir un aspect plus clean. Et une fois que c'est fait, vous pouvez recalculer votre dynamèche. Du coup, vous allez perdre un petit peu en précision. Vous pouvez faire un petit clé polish pour être sûr de garder votre précision. Mais disons que grâce au. Grâce à ça, vous pouvez subdiviser et avec l'outil masque lasso, vous allez pouvoir faire ressortir les petites pointes des différentes mèches. Donc pour ça, vous faites un masque. Une fois que vous avez fini le masque, vous faites un CTRL SHIFT CLIC dedans pour qu'il soit plus sharp. Et avec le move, là, vous pouvez faire ressortir
les petites. Les petites pointes de vos. Donc, CTRL SHIFT CLIC pour faire un sharpen et du move pour faire ressortir les petites pointes de vos différentes spikes. Attention de ne pas trop sortir de la. Du mesh, hein, parce que sinon ça va impacter votre low poly aussi. Ok, vous allez trouver des endroits. Alors, essayez de distribuer ces pointes-là de manière assez chaotique, hein, de varier la distance entre deux pointes, de faire parfois deux pointes, parfois une seule, etc. Okay, vous venez modifier la silhouette de votre. De votre modèle. Okay. Et donc on voit naître petit à petit la matière de fourrure. Une fois que vous avez fait une passe comme ça sur le personnage, rien ne vous empêche de, avec du DOM standard par exemple, de venir ajouter quelques. Quelques mèches secondaires, quelques traits. Quelques traits secondaires qui viennent donner un aspect un petit peu plus. Plus léger, plus naturel à la sculpture en fait. Maintenant, ceux qui ont choisi de faire de la fourrure, c'est vrai que c'est du boulot.